Alors bonjour, moi je m'appelle Laura, j'ai fait un BTS comptabilité gestion des organisations au sein d'Accor, en alternance également. Aujourd'hui, je suis en train de préparer mon DCG, le diplôme de comptabilité gestion niveau licence. C'est ce qui nous prépare à l'expertise comptable, ce que je souhaite faire. Je le fais en alternance dans une grande entreprise, une grande multinationale trouvée par Accor. D'ailleurs, les conseillers, l'équipe de commerciaux sont super, ça fait 2 ans qu'ils me placent à chaque fois dans des très bonnes entreprises. Dans ma classe, on a un taux de placement de 100%. Par accord. Donc j'ai la gestion autonome de la comptabilité de 4 SCI, c'est-à-dire que là récemment j'ai pu préparer les bilans, les liasses fiscales. C'est quand même quelque chose de très très intéressant de faire le tour de la comptabilité. La chance que j'ai aussi grâce à l'alternance, c'est que je me dis donc qu'à mon niveau, à 22 ans, avec un niveau bac plus 3, j'ai énormément d'expérience, quelque chose de très prisé. Je sais qu'à l'issue de mon DCG, je peux m'orienter vers le cabinet, vers l'entreprise, peu importe, j'ai vraiment une expérience très large. Et donc c'est vraiment ce que l'alternance nous apporte, je pense. Bonjour, je m'appelle Jessie, j'ai 25 ans et grâce à Accor, j'ai pu reprendre des études comptables. Donc cette année, je suis en DCG et l'année dernière, j'ai eu un BTS comptabilité gestion des organisations, toujours avec Accor. Donc j'ai été placée grâce à Accor dans une très grande boîte qui s'occupe de l'asset management, on est à la défense. Concrètement, sans Accor, je ne l'aurais pas eu. L'alternance, c'est quelque chose qui permet d'avoir une expérience professionnelle et aussi d'avoir valider un diplôme après les 2 années d'alternance. Voilà. Mais j'aurais bien aimé être experte comptable plus tard, donc le DCG, c'est la première clé. Pour accéder à l'expertise. Moi, je m'appelle Aurélie, je suis chez Accor depuis 3 ans. J'ai fait mon BTS en alternance et maintenant, je fais le DCG en alternance. Donc moi, c'est Clément, c'est ma première année chez Accor. Je viens d'un BTS CGO, mais en initial. Donc c'est ma première année en alternance en DCG. Donc toi, t'es quoi, t'es en cabinet ? Oui, moi, je travaille j'étais donc en BTS dans un cabinet de courtier en assurance. Maintenant, je suis dans un cabinet comptable. Donc moi, je suis dans un cabinet d'expertise comptable aussi, mais sauf que c'est une très petite structure. C'est bien l'alternance parce qu'on est indépendant au niveau financier. Donc il n'y a plus besoin de demander à papa-maman pour aller dîner dehors, pour aller en vacances, faire des week-ends. C'est vrai que l'alternance nous permet quand même une certaine indépendance financière, ce qui n'est pas négligeable. Je sais qu'ayant commencé l'alternance, je ne pourrais pas revenir en arrière parce que bon, évidemment, ça me manquerait, ce n'est pas possible.